is on the other side. Trust in me, live it all, make it golden. Why shouldn't we run over these steps and rise? Cause you got nothing to lose. You got it all, I mean. There'll be ups and downs, highs and lows, in the darkest part, we'll make it slow. You got this, baby, you got this. Keep on trying hard, we'll take it slow. You'll be breaking the walls and you'll make it slow. You got this, you got this. Thank you.
Thank you.
Thank you.
long lost love, long lost friend. I'm trying to figure it out, how we could get along, laugh in the dark. Now we're a lifetime apart. Every time I think back, I feel that I should have let you go. Now that both of us are here, it's something I'd like you to know. If you give me one chance, one chance, one chance for this, then you'll give me one chance, one chance. Be better off, but in the end, somehow it doesn't feel right. When I'm all alone, you're laughing in the dark, tearing my young heart apart. Every time I think back, I feel that I should have let you go. Now that both of us are here, there's something I'd like you to know. If you give me one chance, one chance, one chance for this, then you'll give me one chance.
On passe à l'interview juste. Passage de câble. Ah, bah ouais, on est pas mal là. On est bien. Bon bah, merci beaucoup Théo pour. De rien. Oh là là. Merci à vous. Comment c'était? Comment tu l'as ressenti ce live devant? Ouais, c'est un peu ça, live devant Mère Nature quoi. J'ai pris petit à petit conscience de sa présence et petit à petit conscience de à quel point elle était. Ou à quel point j'étais pas grand chose face à elle en fait. Et du coup c'était enfin, comme pour le pic du midi en fait, petit à petit je me suis mis vraiment au service du paysage, au service du temps, du truc. Enfin c'était hyper intense quoi pour le coup. Puis comme il y avait pas l'interface humaine, c'était ouais, vraiment juste ça. Moi la nature, c'était vraiment un truc ouais assez mystique, méditatif vraiment quoi. Et t'étais déjà venu à Malte? Ouais, je suis déjà venu jouer, je suis déjà venu en vacances. Tu connaissais aussi ce spot? Non, pas du tout. On a un peu arpenté Gozo, mais je connaissais pas du tout ce spot, quoi. Bah, en tout cas, c'était magnifique. Putain, j'avais même pas vu le magnifique coucher de soleil. Oh, on était rivés sur les écrans. Ah, c'est les barjots, quoi. Ah, c'est une folie. Donc, t'es là pour présenter ton nouvel album All Glows. Ouais. Qui, je trouve, d'ailleurs, va super bien avec cet univers. Quel est l'univers dans lequel tu veux nous transporter avec All Glows? Bah écoute, c'est un peu différent de mes albums ou de mes EP précédents. J'ai pas envie de construire un univers qui soit terrestre entre guillemets, où on puisse se dire ah bah tiens, ça me rappelle l'Asie, ça me rappelle l'Afrique, ça me rappelle je sais pas quoi. C'est plus là pour le coup c'est vraiment un univers que plus ou moins j'ai créé toute pièce à partir de voyages, à partir d'inspiration, ou même d'influence, que ce soit enfin tu vois que ce soit les Miyazaki, les Star Wars. J'ai l'impression d'avoir digéré tout ce truc et puis d'avoir pondu All Glows en mode c'est l'album de la maturité un petit peu pour moi, tu vois. J'ai mis un an à le faire, j'ai retapé mes tracks semaine après semaine, etc. C'était moins sur le vif, moins spontané, mais beaucoup plus honnête et beaucoup plus profond pour moi quoi. Et tu l'as composé dans quelles conditions? T'étais en studio ou peut-être en voyage? Ça s'est passé quand? Ça s'est passé, il y a plein de morceaux qui ont été composés, le squelette disons de l'album et tous les morceaux instrumentaux ils ont été composés genre chez moi, chez nous avec ma meuf en Suisse dans les montagnes. Et d'ailleurs tous ces morceaux là sont vachement empreints de sa voix et de sa présence parce qu'elle est complètement là tout le long du processus. Et puis il y a d'autres morceaux qui ont été composés un peu sur la route, aux États-Unis, des morceaux qui ont été composés aussi en studio à Paris. Et finalement, je suis super content du résultat parce que de permettre de m'avoir, comment dire, m'émanciper de toutes ces structures un petit peu de genre musical en me disant ouais, est-ce que c'est tel techno machin, est-ce que c'est pas ça trop mainstream, est-ce que ça c'est pas trop house truc bidule. J'ai l'impression d'avoir complètement assumé tous les penchants de ma personnalité, que ce soit les solos de guitare overdrive rockstar, que voilà, les morceaux techno très deep ou les morceaux très pop très mainstream et tout, je m'en fous, j'ai un peu bazardé mes frontières et j'en suis trop content quoi. Et le saxophone, je crois que t'as appris la musique avec ça, non? Ouais, c'est mon premier instrument, ouais. Et est-ce que tu as voulu mettre du saxophone dans tes tracks? Je crois que tu n'en as pas mis, non, dans cet album? Non, j'en ai pas mis. Alors, on a fait le pari avec ma meuf que dans 5 ans, je lui remettrai. Pour l'instant, moi, je sais pas. Moi, je doute de ouf, tu vois. Mais il y a 5 ans, je me disais jamais je mettrais de la guitare dans mes morceaux et tout. Alors que maintenant, c'est bon. Du coup, le saxo, c'est encore trop loin. Tu vois, il faut que je creuse encore à l'intérieur. Ok. On attend avec impatience alors. Tu es en pleine tournée, il me semble, en ce moment. Ouais. Tour de France, quoi. Comment ça se passe? Carrément. Ça se passe hyper bien. En vrai, c'est assez incroyable parce qu'en fait, on présente cet album qui n'est pas sorti aux gens en live. Et du coup, ils ne connaissent pas la moitié des morceaux et finalement, on arrive à les emporter. Donc, le défi est beaucoup plus grand. Et en fait, quand on voit que les gens se laissent emporter là-dedans et puis ils se prennent au jeu, en fait, entre guillemets, on a réussi de ouf notre pari. Parce que ça veut dire que les gens viennent voir Fakir en live et ne viennent pas juste écouter genre La Lune Rousse ou Silver ou 3-4 tracks. Tu vois, il y a vraiment un univers qui viennent voir et c'est le plus beau des compliments en fait, de voir qu'à la fin les gens ont pris de ouf alors qu'on commence et on termine le set sur un morceau qu'ils connaissent pas du tout. C'est assez cool.
En tout cas, félicitations, ça sort le 13 avril, donc vendredi en fait. Ouais, vendredi, ouais, grave. Je suppose que tu dois avoir hâte. Je suis sur une autre planète en ce moment, je t'avoue. J'imagine. En tout cas, merci beaucoup Théo. Merci. Et on a une petite tradition chez Cercle, c'est la boîte mystère qui va arriver dans pas longtemps. C'est un petit cadeau qu'on offre à nos invités, mais maintenant tu commences à nous connaître. Bah ouais. Bah ouais. Donc voilà, la boîte mystère arrive. Trop bien. T'as une double boîte mystère en plus. En fait, tous les ans, on te réinvite et on t'offre encore plus de... J'ai l'impression, chaque année, un cadeau supplémentaire. Ça marche. Alors, du coup, c'est OK. Alors, le premier cadeau, c'est juste une petite... Attends, le premier, c'est celui-là. Voilà, c'est une petite attention. C'est juste qu'on savait que après toutes ces journées de tournée, tu devais être pas mal fatigué et tu voyages pas mal en avion. Ouais, Air Malta, quoi. Voilà. Chambé, bah, je vais le mettre maintenant. Tu vois, c'est tellement explosé que... Tellement chaos. Je vais dormir là maintenant là. Voilà. Voilà. Déballer votre cadeau. Voilà. Donc c'était plus une petite attention qu'autre chose. Et puis l'autre cadeau. Beaucoup. Vous êtes trop chou en vrai. C'est offert par en fait une asso qui nous a aidé à monter ce live stream ici qui s'appelle Blanc. Ok. Et Franco. D'ailleurs, big up à toi Franco, merci beaucoup, qui nous a donné toutes les autorisations, qui a géré avec nous le matériel, etc. Et donc c'est un petit cadeau de sa part. C'est un petit cadeau, et eh ben merci Franco. De typiquement de Malte, alors t'as un miel de Malte et une liqueur. Voilà. Trop bien, mais non mais c'est de l'huile d'olive. Ah bon? Mais ouais. On m'avait dit que c'était une liqueur. Bon alors non, le bois pas comme une liqueur, désolé. C'est encore mieux qu'une liqueur. Putain mais génial, merci Je sais pas. Merci, merci Franco, merci. C'est trop bien. Franchement, bon, c'est parfait. Super. Du miel, tu vois, avec un petit mal de gorge et tout. Parfait, impeccable. Je vais bien dormir. Voilà. Bon, c'est merci génial. Beaucoup. Et puis, merci à tous qui étaient en ligne. Vous étiez extrêmement nombreux. Ah ouais? Ah ouais, je peux dire extrêmement cool. nombreux. Cool. J'ai vraiment pas le. Merci. Ouais. Voilà. Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais je vous ai vu extrêmement nombreux, extrêmement heureux, quoi, de découvrir le live de Fakir. Et puis. On vous dit à lundi prochain. Merci à nos partenaires qui s'affichent sur l'écran. Ils vont tous s'afficher. Il y en a beaucoup. Ils nous soutiennent et on les remercie chaleureusement. Et puis à lundi prochain pour de nouvelles aventures. Et on te souhaite tout le meilleur. Bah merci. Cas. Merci Ciao. Beaucoup. Ciao. Ça c'est trop cool. Ah, quand tu t'es installé, je me suis dit. Bon, attends, c'est le spot. C'est le spot. Bon, bravo. Bah merci beaucoup.